Salut à tous et à toutes, c'est Monsieur Player. Alors aujourd'hui nous nous retrouvons donc pour un épisode tutoriel dans Minecraft. Alors là donc en première partie je vais vous montrer donc comment installer un pack de textures dans Minecraft et puis en deuxième partie je vous montrerai donc comment faire pour mettre un mode dans Minecraft grâce à Pipix. Alors donc tout d'abord on va falloir télécharger votre pack de textures. Donc là je vais vite fait en télécharger un. Donc faut juste préciser une fois pour télécharger votre version de Minecraft. Donc là je suis en 1.5.2, donc je vais mettre en 1.5.2. Là vous voyez j'ai déjà cherché. Hop. Hop, j'ai téléchargé lui. Donc ensuite vous allez faire donc là généralement vous mettez les liens, donc hop. C'est souvent sur adfly, enfin je sais pas comment vous le dites, moi je vous dis comme ça. Ensuite là vous passez l'annonce et puis là donc vous allez le downloader, je sais pas si ça se dit, mais enfin le télécharger. Donc là voilà, là il vous le dit dans les téléchargements. Donc là on va dire que j'ai téléchargé d'autres packs de textures. Hop, donc là je l'ai téléchargé, donc après vous faites ce que vous voulez de vos pages, mais moi là je les ferme. Vous allez aller dans votre bureau. Donc là vous vérifiez bien que vous avez téléchargé, donc dans téléchargement. Donc là voilà, je vois que j'ai téléchargé. Donc vous allez dans votre bureau. Vous faites donc vous allez dans le nom de l'utilisateur. Donc moi en l'occurrence c'est Joshua, donc voilà. Vous faites appdata roaming.minecraft. Là donc on a tous les dossiers de Minecraft, donc les packs de textures, les mods et tout. Donc là moi j'allais dans les textures pack. Et puis donc là on voit tous les packs. Alors tout d'abord vous allez dans téléchargement, vous prenez celui-là, vous faites clic droit, copier, donc vous refaites la même manip, donc je suis à data roaming pour Minecraft. Oups. Ouais voilà c'est bon. Et là donc vous allez dans pack de texture et vous faites coller. Et voilà, donc là vous avez votre pack de texture. Donc juste on se retrouve tout de suite. Donc je vais vous montrer dans Minecraft, parce que là si je lance il sera tout noir Minecraft. Donc on se retrouve donc à tout de suite. Re tout le monde. Alors là donc je suis dans Minecraft. Donc là par contre il y a les mods en plus, mais bon normalement ça vous l'avez pas, mais je vous montrerai juste après comment pour que on ait ce bouton en plus, donc le mode. Donc vous allez aller dans options, pack de texture, et donc là il y a tous les packs de texture. Donc le dernier que j'ai téléchargé c'est le John Smith, ouais c'est bien ça. Donc vous cliquez dessus, vous faites accepter, donc vous allez dans n'importe quoi. Donc là je vais juste aller dans normal pour bien vérifier que votre pack de texture vous plaît ou enfin qu'il a bien été mis. Donc voilà le pack de texture. Donc là juste ça c'est des mods là que j'ai ça, donc sinon c'est comme ça. Voilà, donc on va un peu essayer. Bon après ça c'est à vous un peu de gérer. Donc voilà, il a l'air assez joli, mais enfin assez normal, on dirait un peu normal je trouve. Mais bon. Donc voilà après pour le pack de texture. Donc après vous faites ce que vous voulez avec votre pack de texture, vous pouvez encore en installer et tout. Mais bon. Là je reviens. Ah bah tiens, il y a juste ça par exemple qui change là, des zombies. Les creepers. Et on voit aussi pour tirer. Après, il y a peut-être d'autres trucs qui changent. Ouais, bon. Bref. Donc, on se retrouve là, vite fait. Donc, pour la deuxième partie. Allez. À tout de suite. Re tout le monde, alors oui, là nous sommes pas à la même heure ni à la même date. Mais bon, j'ai pas eu le temps de le faire le même jour, donc je vous le fais sur un autre jour. Donc alors, là, vous êtes dans Pipix, donc je vous le mettrai dans la description. Alors là, vous avez les différentes versions de Minecraft. Donc là, moi je suis en 1.5.2, donc juste nettoyer comme j'ai déjà des mods, hop. Et ensuite, là, vous avez des mods. Alors, vos mods. Donc là il y en a plusieurs, donc en fait ils doivent être en adéquation donc avec votre version de Minecraft. Donc là si c'est en 1.5.2, votre version de Minecraft devrait être en 1.5.2. Voilà, donc ensuite, quand vous voulez installer un mod, vous choisissez n'importe lequel, donc je vais prendre le Too Many Items, vous faites installer.
Après, il vous demande si vous voulez garder la version actuelle. Vous faites oui ou non. Donc, moi, là, je vais dire non. Vous attendez ensuite là qu'il installe plusieurs fois. Donc, voilà. Moi, là, je suis en train d'installer. Voilà. Donc, là, il est installé. Par contre, on se retrouve tout de suite. Sinon, Minecraft sera de nouveau avec le petit truc noir. Donc, c'est pas ça qui va être intéressant à voir. Donc, on se retrouve tout de suite. Allez, à tout de suite. Donc, alors là, nous nous retrouvons dans Minecraft. Donc là, il y a le mode en plus. Alors là, vous allez juste aller dans n'importe lequel. C'est juste pour vérifier. Donc en solo, là, j'y vais. En créa. Donc, faut faire inventaire. Et voilà, ça c'est le Too Many Items. Donc c'est un truc assez sympa. Donc là, regardez, là, on peut mettre le jour, la nuit. Le jour, la nuit et tout. Donc voilà, c'est un mode assez sympa et donc ça permet aussi de prouver que le mode a bien été installé. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura servi et puis je vous dis à la prochaine pour encore plus de vidéos et de tutos. Allez, salut les amis, ciao ciao!